Je fais très bref pour vous rappeler quelques rendez-vous. Donc on a un congrès pour les adhérents Europe Écologie Les Verts et un congrès national 10-11 juin donc, à Pantin. Il y a pour envoyer nos délégués, on a donc un congrès décentralisé le 28 mai à Locronan, mais dès le vendredi soir 27 mai, il y aura un accueil pour effectivement que les adhérents puissent discuter, se rencontrer par motion, etc. Je sais que le 18 mai, je crois que c'est le 18 mai, alors c'est à Champy, je crois, et non plus... Hein, c'est ça, ça sera à Champy. Le soir... Ouais, le soir, 20h... Ouais, enfin, dans la soirée, il y aura une réunion, justement, de présentation des différentes motions donc à Champy. Donc, c'est ouvert aux adhérents. On va voir si on peut provoquer d'ici le 28 mai, 27 mai, quelques réunions dans d'autres départements, non pas pour rassembler les adhérents des départements, mais pour permettre des réunions ouvertes aussi. Donc ça, c'est important. Et puis sinon, bien évidemment, les 25, 26 et 27 août à Lorient, les journées d'été. Donc il va y avoir une newsletter qui devrait partir ce début de semaine là à l'ensemble des adhérents pour donner déjà des informations. Le site devrait également ouvrir pour pouvoir s'inscrire à ces journées-là. Je peux vous dire que ça sera donc au Palais des Congrès. Il y aura une plénière d'ouverture sur agriculture agroalimentaire. On parlera également de la pêche, très certainement. On parlera aussi, ça a été évoqué, l'industrie de l'armement, etc. Et donc à Lorient et en Bretagne, je pense que ça serait tout à fait bienvenu. Et puis, on a vu un revenu de base, etc., toutes ces questions-là, l'avenir du salariat et autres. Je pense qu'il y aura des choses aussi autour de ça. Donc voilà, en remerciant les intervenants, et ce matin et cet après-midi, je pense que c'était tout à fait riche. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a bien intéressé. Donc j'espère que ce plaisir a été partagé, j'en doute pas d'ailleurs. Et donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour pour ceux qui reprennent la route, et puis une bonne fin de week-end. Voilà, je crois qu'on peut applaudir, ma foi. Voilà, merci bien. Alors, je ne sais pas si on peut rejoindre la manifestation.